Hop là, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Je commence donc par le haut du maillot de bain et je vais donc venir tricotiner sur 28 picots. Et je débute le projet par une chaînette. Le deuxième rang sera un rang de points en vert pour venir créer le point mousse. Il faut donc alterner les rangs de points IGRZ et les rangs de points en vert. Ensuite, je vais attaquer les diminutions. Je vous rappelle que le détail en version écrite se trouve sur ma page Facebook Happy New Air. Je diminue donc jusqu'à arriver à 4 picots. Et je termine droit. Bien sûr, il faut faire un second triangle. Ensuite, pour la bande en dessous du maillot, j'ai choisi de faire le point diamant. Je vous remets dans le petit en haut à droite comment réaliser le point diamant en détail. Je suis également sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Pour finir, c'est facultatif, mais j'ai choisi de faire le tour au crochet en faisant des coquilles. Donc, comment procéder? Dans la première maille, on va venir faire 5 brides. On saute une maille et on vient faire une maille serrée.
On saute une maille et on vient refaire 5 brides, bien sûr dans la même maille. Pour finir, on vient coudre toutes les parties ensemble et faire les bretelles. Et puis, quoi de mieux que de mettre ces photos sur papier glacé? Donc, je remercie LalaLab qui m'a offert cette LalaBox de 32 photos. On peut donc sélectionner de 32 à 48 photos et on les reçoit dans une jolie boîte. Il s'agit de tirages en finition brillante, en format vintage. Donc, on peut changer le fond, c'est-à-dire le contour, on peut l'avoir en différentes couleurs. Ou comme vous pouvez le voir avec des petites feuilles de palmier, il y a des pastèques aussi et des stries. Et on peut bien sûr écrire si on le souhaite un petit mot en dessous de la photo. LalaLab a créé un code promo pour vous qui est HappyNewWear et avec ce code vous bénéficierez de 8 € sur votre première commande.